par un guide qui connaît bien le terrain et donc pour aller chasser du chamois, du mouflon et du sanglier. Comme ça. Et une fois que l'écorce, on appelle ça faire un flashy, et une fois que l'écorce a sauté, on va taper et ça va mettre l'empreinte de l'étape. Ça, ça veut dire qu'on donne l'autorisation d'abattre un arbre. Vous avez ce dessin là, cette cible là, il y en a 6 normalement de mise. Il faudra prendre la croix continue pour qu'elle soit ici. D'accord ? Donc là, vous avez deux cornes vraiment caractéristiques. Cornes de, voilà, corne de mâle, corne de femelle. Donc une corne de mâle, c'est généralement une corne, encore une fois, puissante et massive, avec, première des choses à regarder, la base de l'étui. Est-ce que j'ai un étui qui est gros? Là, vous voyez, c'est quand même, si on compare les deux. Il y a la lettre et la main, il y a 3 H, non? De main, si vous approchez, à mon avis, vous allez passer là, comme tu dis, par droit. Hein. Mais au lieu de passer à droite de la pose, vous allez passer à gauche. À gauche pour revenir. Et puis de revenir dessus, là, à leur niveau, quoi. On va avoir le vent sur nous, ce qui va aller vers eux. Si tu es vraiment dans la combe, pas forcément. Parce que tu vas être caché, toi. Tu vas être protégé, le vent va te... ça va pas forcément leur amener ton odeur. Donc un critère de tir pour le chamois, il y aura donc à prélever chevreau ou femelle de plus de 10 ans. Mouflon, agneau, femelle, mâle jusqu'à 3 ans. Et Motet ou Isabelle. Content, plein cœur. Et il est là. Ouais. Bien, félicitations. Content. 140 mètres.